c'est parti, continuez. Donc là, en gros, on est arrivé au moment où le flic avait injecté, je sais pas ce qu'il y avait dans la seringue, il a injecté un produit dans le cou de la meuf. Donc il a peut-être kidnappé la fille, je sais pas, et le mec, bah je pense qu'il est mort. Ah voilà, là je suis au chapitre 1 en fait. Putain, j'aurais dû continuer ça hier. On va voir les nouveaux personnages, j'ai hâte de voir comment ils vont être. Alors dans la première partie que j'ai faite là, il y avait les deux, donc le mec et la meuf là, un couple. Et je trouve qu'ils avaient des émotions un peu bizarres. Je sais pas, ils avaient aussi le regard vide, surtout le mec, il avait un regard, je sais pas, vide. A plus. On vous aime. On se revoit bientôt. Ouais, à Kate Squarry, déchire tout. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une vraie romantipocalypse. Alors, cynique, ils s'en remettront, pensif, on ne sait jamais. Ouais, ils s'en remettront. Ouais, mais c'est juste des gamins, je crois qu'ils s'en remettront. Comme tu te remettras d'Emma ? Hein ? Mais non, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas pour ça que t'es énervé ? Je suis pas énervé, genre. Je veux te dire, c'était notre dernière nuit ensemble, et ça va. Mais oui, ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des câlinos. Oh putain, t'as entendu ? Tu veux rire ? Les murs du cabanon font toujours des bruits chelous. Ok, j'ai compris. Arrête, lâche-moi. Salut Emma ! Salut ! Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale ? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux ? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Je pense que c'est des vrais acteurs. Hein. Alors attends, il faut que je fasse quoi ? Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est pour lui parler. Allez, les sacs, Jacob. Bah oui, Jacob. Les sacs, là, bordel. Ok, il faut que j'aille en haut, ok. J'avais pas compris. Du coup, bah, on est là, en fait, où... Où il y a eu, comment dire, le bordel, quoi. Là, il y a la map. Je vais pas aller voir, parce que ça sert à rien, je pense. Hein. Je vais voir la même chose que dans le prologue. Putain, tu vas pas courir, mec. Donc, c'est dedans que je dois aller. Ça se fait tout seul. C'est pas vrai. Elle est tout le temps fermée, cette porte. Hé, hey. Ah. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Ah, En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas. C'est... Il me reste des sacs à je descendre, sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. L'enfoiré. Cool, merci les gars. Là-bas, bah, il y avait... Attends. Il y a la fenêtre, elle est ouverte ? Ah non. Ah. Ah bah, dans le prologue, je pouvais pas aller ici. Il va ouvrir ? Ah voilà, ok, c'est bien ce qu'il fallait faire. Bien sûr, au début, tout se passe bien et tout. Après, j'ai l'impression qu'ils reprennent quand même les clichés des films d'horreur et tout. Genre dans le prologue, pareil, la voiture qui tombe en panne dans les bois et tout. L'horreur. Je déteste l'horreur. Ah, c'est dommage. Tu vas en voir pourtant, je pense. Bah, c'est même sûr. Là, y a rien. En fait, faut vraiment fouiller un peu partout, quoi. Pour trouver les indices et tout. C'est grand. Hein. Attends, ouais, c'est balèze. Il faut que j'aille où ? Ah, forcément. Mais genre, attends, c'est que ce bordel, là, les gars. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein ? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe ?
Vas-y, occupe-toi de ton cul. Ok, je voudrais que t'arrêtes de fourrer ton nez dans mes affaires, Kathleen. Bah, excuse-moi de vouloir t'aider. Je me suis fait larguer et tu crois que tu vas m'aider en te foutant de ma gueule? Tout devient plus clair. Elle a fait le ménage. Quoi? Non. Attends, voyons. D'abord, elle a fait le ménage. Ensuite, elle a sorti les poubelles et elle s'est lavé les mains. Bye bye, Jacob. La place est vacante, elle est célibataire, libre comme l'air. C'est bon? T'as terminé? Oh, je pourrais continuer. Désintérêt, non merci. Amusé, bah allez, vas-y. Sinon, j'ai peur que... Continue. Qu'elle le prenne trop mal. Je préfère en garder pour la route. Oh mais non, je suis sûr que t'arriveras à meubler les silences. Gênant. Ouais, ça va être super fun et pas malaisant du tout. Merci beaucoup, Jacob. Ok, peut-être. Mais moi, au moins, j'ai pécho cet été. Je vois pas de quoi tu parles. Ryan. Ben quoi, Ryan? C'est un mec dans ce camp qui se trouve avoir ce côté loup solitaire hyper sexy qui ne me fait absolument aucun effet. Oh, et tout devient plus clair. Alors elle t'a largué comme ça, sans raison. Ben, techniquement, non. Mais bon, disons qu'elle a réalisé qu'elle avait ses projets et j'avais les miens. Et c'était pas fait pour durer après le camp, tu vois. Et le camp, c'est terminé. Et vous avez pas voulu tenter le coup à distance? Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, c'est hallucinant. Alors, résigné, peut-être que ça me plaît, ou courageux, ce n'est qu'une amourette. Allez, courageux. Non mais franchement, sérieux, elle a pas tort, avoue. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus? Voyons... amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse, enfant, divorce, solitude, droit de visite, pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir, mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin du compte? Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir. Ah, j'ai trouvé. Toi, ça dit juste... plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Ah. Ouais, c'est pas faux. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil, y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, hey, ce qui ne te tue pas te rend plus bof, fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué, encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, hey, lâche-moi. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Couper l'arrivée de carburant, prendre le doigt d'allumeur. Putain, je fais quoi? Ah putain, je sais pas. Tout le monde prendrait le doigt d'allumeur, vas-y, je vais couper l'arrivée de carburant, pour voir. Ah putain, je... Chemin choisi, oh putain. Je te remets à ta place demain sans faute, ok? Je te le promets. Ah, oh, j'aurais pas dû, en fait. Ah, oh, putain. Hé, hey, les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob. Non, 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 mec. Non, non, fais pas ça. Passe longue. Oh, Nick. Boum. Oh. Allez. La classe, bien joué. Taré. Oh. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billet. Taré, je suis entouré de taré. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait.
Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! Agacé, ta gueule, pauvre con. Amical, au moins j'ai conclu. Ah non, vas-y, on va lui dire ta gueule. Ta gueule, pauvre con. Excuse-moi, c'était une blague. Je voulais pas te blesser. Bon, vous êtes prêts à bouger? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi, et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Bon, c'est quand que ça bouge un peu, là? Je veux des meurtres et tout. Du sang. On est là pour ça, putain. Cabanon du camp de Hackenskoré. Ah, on la connaît pas encore, elle. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tap là, en haut. Je rêve. Tu vas voir. Oh, j'aurais dû lui foutre un vent. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Laisser les sacs entrer par effraction. Vas-y, entrer par effraction. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À 3. 1. 2. 3. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Parfois, je trouve que... En fait, le jeu, il est bien fait, mais comment expliquer? Parfois, ils ont des regards bizarres, vraiment. Les sourires et tout, c'est pas hyper bien fait, en fait. Pas toujours bien fait, en fait. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Oh. C'est quoi? C'est la peluche Dizzy. Je veux jouer à un jeu! Oh, il fait flipper aussi. Garder, laisser. Bah, on va le garder. On va te ramener à Izzy. Chemin mis à jour. Ah, là-bas, il y a quoi? Ah, c'est une lettre? Ah non? Coupure de journal? Un article sur ce lieu paumé? Et puis, bah, c'est tout, hein. Il n'y avait plus rien d'autre. Putain, en vrai, tu me donnes des vacances ici, c'est beau, hein. Franchement, je kiffe. Hein. Bon, après, c'est un peu flippant la nuit, quoi. Je peux pas faire de la balanceur? Non. Ah, y'a un truc là. Ouh. J'espère que Jacob n'a rien vu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan? Ok, y'a rien d'autre. Vas-y, avance. Ah putain, tu peux pas enjamber la racine quoi, sérieux. Alors, ça c'est quoi? Mais non, là!
Je regarde tout. Hein. Voilà, il faut vraiment tous les indices. San Francisco, Séoul, Toledo, ok. Ah. C'est qui là-bas? Ah mais c'est la meuf. J'arrive. Hey girl. Prête à y aller? Ouais. Bon, enthousiaste, oui, allons-y. Allons-y. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante, sûre de toi? C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non, c'est trop tard de toute façon. Pourquoi? Toi et Nick? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob? En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes? C'était l'été. Va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email? T'es si vieille que ça? T'aimes pas les emails? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi? Allez, une balade! Un dernier tour triomphal autour du camp. Bon non, mais couille. Retour au chalet, ouais, on va au chalet, bah les couilles. Il faut vraiment qu'on rentre. Ouh, trop nul. Ah ouais, j'ai autre chose à foutre. Nous attendre. Nick va pas s'en aller sans te dire au revoir. Merde, Abby! Oh, j'ai sauvé l'écureuil. J'ai eu chaud. Pardon, monsieur l'écureuil, ma pote est sur le point de brancher un mec pour la première fois de toute sa vie. C'est pas ta queue touffue qu'elle vise. Je vais te balancer hors de la voiture. Je l'ai bien cherché. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi. Je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Hey, Nick. Eh, où vous étiez? T'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange Elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Regarde les cheveux, là, ça bouge et tout, c'est pas beau. C'est dommage. Coup de coude. Non. Si. Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci.
Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher ? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi ? Occupe-toi de ton cul, ça parle de moi, vas-y, amical. Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett's Quarry. Hein ? De quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry ? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry ? Sinon, je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett's Quarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Allez, défensif, on va faire. Ah ouais, t'as mieux à proposer ? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non, sérieusement, je me suis juste mal exprimé. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le compte ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un n'avait pas cherché à nous impressionner avec ses histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett's Quarry. Oh ! Il joue dans Scream, lui. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Non ? Ah oui, c'est moi. C'est toi ? Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Compréhensif, pas de soucis. Agacé, ce n'est pas juste. Allez, agacé. Sérieux, allez. Vous êtes carrément pas cool, mon wesh. Pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. 5 minutes, juste 5 minutes, je demande pas plus. Mec ! Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van, ok ? Bon allez, là, je veux que ça bouge. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Écoutez le podcast, espionner. Vas-y, on va l'espionner. Quoi ? Parce qu'ils sont jeunes. Je sais pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps.
Non, je devrais. Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais? Oh, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Préoccupé, est-ce que tout va bien? Frustré, c'est très important pour moi. Allez, je suis un gros frustré, moi. C'est très important pour moi. Tu sais ce qui est important pour moi, Ryan? C'est que ce camp de vacances soit une vraie réussite. J'essaie encore de faire oublier les pertes de l'an dernier. Les gamins traumatisés, c'est mauvais pour les affaires. Les parents en colère, qui me téléphonent pour se plaindre. Les cauchemars, les pleurs, les pipis au lit. Pense à tout ça la prochaine fois que tu leur raconteras l'histoire de la... Oh, la folle de Hackett. Bref, réfléchis la prochaine fois. Serre-toi un peu de ta cervelle. Désolé, je me rendais pas compte. Indifférent, c'était juste pour rire. Indifférent. Oh, c'est juste une histoire que ce gamin bizarre m'a racontée. Hey, y a pas de gamin bizarre ici. À Hackett Squarry, chacun de nous est cool à sa manière. Les moniteurs sont censés être des gens responsables, faire plaisir aux gamins et bien s'occuper d'eux. Alors reprends-toi. Ouais, bien sûr. Enfin, on est... Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Ouais, vas-y, curieux, hein. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. T'es chelou, toi. Tu sais quelque chose? Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Puis j'ai coupé l'arrivée d'essence en plus, comme un con. Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ouais, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Ah. Allez, en route. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route.
C'est quoi le problème? Ah, bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez! Arrêtez, tous les deux. Merde, allez. Eh, mais doucement! Eh, stop! Eh, putain! Écartez-vous tous, vite, vite, vite! Arrête-toi, stop! Je m'en occupe! Eh oh, mec, je voulais juste t'aider! Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On a qu'à passer la nuit ici? Non! Non! Non, arrête! Je réfléchis. Ah! Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. Hey, Ryan, viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris? Ok. Je reviens demain à la première heure, et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Conciliant, ouais, d'accord. Perplexe. Allez, vas-y, conciliant. Ouais. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes! Et par pitié, ne faites pas de bruit! Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma. C'est une putain de blague! On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer, faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. De quoi tu parles, insistant, on suit les instructions. Vas-y, on va suivre les instructions, parce que j'ai fait de la merde d'ailleurs. Non, non, pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma? T'en dis quoi? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Inquiet, il avait l'air de flipper. Ou bienveillant, il s'inquiétait juste pour nous. Vas-y, je vais mettre inquiet quand même. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais, mec, mais... il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa.
L'enfoiré, méprisant, laisse tomber, défensif, quelqu'un doit se montrer responsable, pardon. Je sais plus parler. Vas-y, on va mettre... Vas-y, défensif. Ouais, bah au moins, je suis responsable. Vous savez quoi? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris a dit. Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. Oula. Qu'est-ce qui se passe? L'autre, il avait plein de sang sur lui. Putain, c'est la saison de chasse, ok. Hunting season. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Voyons ce que vous avez. Vos mains sont vides. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Trouvez-les. Je vous prie. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Et essayez de trouver mes cartes. Chapitre 1 terminé. Ouais, mais on va continuer. Il s'est rien passé, je suis obligé de continuer, les gars. Elle va durer longtemps, la vidéo, mais c'est pas grave. Eh bah, on en est là. Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça, j'y suis presque, ok? Putain. Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Wow. Et voilà. C'est bon, j'aurais pu le faire. Tu m'as mâché le travail. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. Oh, j'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là.
Waouh, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Il est sûrement fermé. 4 fois 0. Ou 1, 2, 3, 4. C'est pas ce que j'espérais. Mortel! Oh! Jackpot! Mais, mate un peu mes grosses pastèques. Oh. Tiens. Tu découpes un trou dedans. Mmh. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais, tu peux aussi... Je vois. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. Ah, là, je peux bouger. Ok. Alors, ah, c'est quoi ça? Ok. Oh putain, il m'a fait flipper. Tiens. J'avais pas vu le god. C'est quoi ça? Ah putain, c'est la meuf. C'est une voyante un peu. Arum Scarum. Ah, tout s'explique. Nouveau souvenir endommagé. Attends. Ces prospectus font la promotion d'un spectacle itinérant appelé Arum Scarum. La date indique qu'il y a eu lieu il y a plus de 6 ans. Ce sont les mêmes que les affiches dans les bois. Pourquoi Chris Hackett les garde-t-il? Est-il lié d'une façon ou d'une autre à Arum Scarum? L'histoire elle m'intrigue de ouf en vrai. Enfin, je sais pas, je comprends pas tout, ce qui est normal pour l'instant. Mais ouais, c'est assez intriguant. Là, y'a quoi? Qui achète cette merde? J'avoue. Wouah! C'est des chasseurs? Qu'on a vu tout à l'heure, je pense? Attends, je vais par où? Attends, là-bas y'a un truc? Non? Oh putain, attends, j'entends des bruits. Oh, j'ai peur. Non, il y a que dalle. Ah, là, il y a une porte. On va pas pouvoir rentrer. Je me demande ce que c'est. Vas-y, défonce-la, non? Fermé. Enfoncer la porte ou appeler Jacob? Allez, on enfonce la porte. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, sa mère la porte, d'accord, je pensais pas que t'aurais dit ça. Mais dis-moi, ça va aller ton pied? Ça doit faire mal. Ouais. Wow. On a touché le gros lot. Mate un peu tous ces trésors. Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à clé. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue, ouais. Ok. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Oh! Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum! Je veux jeter un œil. Ouais, vas-y. Ok. Y'a quoi dans le congèle, là? Ouais, y'a rien. Y'a pas un cadavre ou non? Un carton tout pété, ok. Ça, c'est quoi? Des bagages? Jacob! Hé, hey, regarde ça! Quoi? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Ah, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors...
Viens, c'est bon. C'est les traces d'un ours ? C'est les sacs des deux qu'il y avait dans le prologue, je pense. Oh, ah, vas-y, cool. Prends. Quoi ? Prends-le. Un fusil. Oh, cool. Et un code. Ah, c'est le code du... C'est pour les munitions ? Ok. C'est bon. Ah, voilà, elle le prend direct, bah ouais. Il faut maintenant aller voir... Vas-y, c'est bon, vas-y, passe. Il faut aller dans le coffre, je suis sûr qu'il y a les munitions. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein ? Ouais, pour les ours. D'accord. Bah oui. Moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Vas-y, vas-y, il faut qu'on aille au coffre. C'était fermé tout à l'heure là, non ? Ah non, c'est pas ça. Ah mais si, c'était fermé tout à l'heure ici. Ok, je l'ai déverrouillé. Est-ce que... Pourquoi c'était fermé dans ce sens-là en fait ? Je crois que j'ai bien fait de le déverrouiller. Enfin, de la déverrouiller. D'accord. Bingo. Eh, hey, c'est pas mal. Y'a quoi d'autre dedans ? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse ? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non. Emma. Feux d'artifice. Non, je les prends pas. Je les prends pas. C'est mort. Je pense que les feux d'artifice, ce serait abusé. Quoi ? Non mais, attends, t'as un fusil, tu veux pas que j'ai des pétards ? Parce que le fusil, ça nous protège des ours, alors que les feux d'artifice, ça risque de foutre le feu. Ah voilà, elle a raison. Saloperie de feu de forêt. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière, ils étaient carrément déchirés, et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh, stop. Oh, sérieux ? Des peanut butter pops ? Des putains de peanut butter pops. C'est pour les gamins. C'est pas pour les gamins, ça. Hein ? Ouais, mais j'étais un gamin avant. Ah ouais, parce que c'est plus le cas. D'accord, si tu goûtes une de ces merveilles, je te garantis que tu changeras d'avis. Non, c'est mort. Pop, pop, peanut butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Sérieux, c'est juste le meilleur snack au monde. Ok, comme tu veux. Pas grave. Plus pour moi. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là ? Butin ? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette ? Voilà. C'est comme une sorte de caisse sur roue, tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Après vous, madame. Merci. Par où ? Je pensais à ça, les chasseurs, là. Je suis sûr, ils chassent pas des animaux, mais les créatures, justement. Enfin, pour moi, c'est des créatures, en fait, qu'il y avait dans le prologue. Qu'on n'a pas vu, bien sûr. Et je pense que ouais, c'est des chasseurs de créatures. Et pas des chasseurs, des simples chasseurs là, qui vont chasser des ours ou des trucs comme ça, quoi, des biquettes, quoi. Génial. Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ça. Et charger. Des podcasts. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes ? Allez, vas-y, amical. C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment ? Enquête paranormale.
Et c'est sur les fantômes ? En fait, ouais, c'est des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et ils parlent de phénomènes, ben, paranormaux. Parano ? Pigé ? Parano ? Hein, t'as mangé un clown ? Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché ? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ok, bah pas moi. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher ? Bah Monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. Ok, bon, et ça met vraiment du temps quand même à démarrer. La poubelle, vas-y, on va fouiller la poubelle. Ah non, c'est téléphone, ok. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi ? Draguer pour te demander de sortir avec moi. Sarcastique, ce serait sympa que quelqu'un t'appelle. Oh, je me suis juste dit que ce serait sympa que quelqu'un t'appelle pour une fois. Bien joué. Merci, je suis assez fier de moi. Allô ? Quoi ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Peut-être qu'on ferait mieux d'y aller. Ouais. Non, non, attends, il y avait d'autres trucs. On va voir ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il propose ? La photo ? Mais oui, c'est bien celui qui joue dans Scream, hein, l'acteur, je sais pas comment il s'appelle. C'est sûr. Ils sont chelous, non ? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Ok. Là, y a quoi le... Ah ! Une trappe ! Hé, hey, salut ! C'est quoi ça ? T'entends ça ? Est-ce que c'est une trappe ? T'as qu'un donjon sexuel secret. Je pense que ça mène au sous-sol. Vas-y, suspicieux, ce qui me fait chier avec ces blagues à la con. Ouais, je pense que ça mène au sous-sol. Oh. Mais pourquoi Monsieur H aurait une trappe secrète dans son bureau qui mène vers le sous-sol ? C'était peut-être là avant que ce soit son bureau. Il a au moins 3000 ans, ça a toujours été son bureau. Ça doit être pour stocker des trucs. Ouais, ou c'est une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Ouais, ou pour le stockage. Ouvre-la, on verra. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde, tu peux te glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. Vas-y, il faut descendre, je veux voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu, Ryan, tu quoi vas jamais me croire. Quoi ? Il y a que dalle. Oh, c'est nul. T'y as cru à fond pendant une seconde, avoue. Non. Peut-être. Ah, ferme-la. Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc, ouais, ok, je vais remonter. J'ai fait de la merde, je pense. Ça a pété l'échelle. Oh, mat le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Dring dring, méprisant, il n'en saura rien. Vas-y, joueur. Dring dring dring. Oh, excuse-moi, il faut que je prenne cet appel. Bonjour, colo de Hackett Squarry, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale ? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H ? Ouais. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa avec Dylan. Et, pardon ? Vous voulez
Qu'il donne son numéro à Dylan, ça c'est un peu direct, mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Oh, Laura Kearney et Max Brinley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Ok, bon. Ah, le tiroir. Pourquoi il y a un fusil? Ah non, c'est un fusil. Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... pour les ours. Des ours? Ici? Ouais, ouais, il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est... armé. Et... ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Si on en a besoin. Et si des ours voulaient s'incruster? Ah putain, je sais pas, vas-y, je vais faire... Et si on en a besoin? Eh, hey, et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une situation où on serait en danger de mort? Genre quand des gens chassent d'autres gens? Ouais. Voilà. Ouais, mais ça peut arriver, regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Ok, je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer? Non? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, ben, on sait où est le fusil, en cas de besoin. Comme tu veux. Je peux quand même le prendre, je pense. Je me tâte. Est-ce que je le prends quand même? Je sais pas si je peux le prendre ou pas. Mais si j'ai le choix, est-ce que je le prends ou pas déjà? Parce que je me dis que lui, il en aura peut-être besoin. Par contre, à côté de ça, si je joue l'autre personnage là, à qui est le bureau d'ailleurs, il en aura peut-être besoin en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais voir si je peux le prendre. Eh, hey, touche pas au fusil, mec. À vos ordres, chef. Non, je peux pas. Je vais insister pour voir. Dylan, qu'est-ce que tu fous, merde? Désolé. J'avais juste envie de voir ce que ça faisait d'en tenir un. Ah. Je t'ai dit deux fois de pas y toucher. Ouais, pardon. Arrête ça. Ah, il commence à s'agacer. J'ai envie de retenter. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ok. Allez. La porte, y'a rien, c'est fermé. Hey, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Haha, très drôle. Allez, y'a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas un petit peu curieux? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok, me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre. Et l'un, c'est franc. Ça veut pas dire ça. Ah. Allez, il me faut des preuves là, enfin des indices et tout là. Je veux comprendre ce qui se passe. Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, y'a... Hey. Hey, on devrait peut-être pas... Ryan? Wow, c'est quoi ce délire? Sur les écrans, là, c'est le camp. Oh. Tu crois que Monsieur H nous espionne? Non, non. Non, enfin, non, non, je crois pas. C'est juste... différents sentiers dans les bois autour du camp. Ouais...
La plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois. En fait, c'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras? Je crois qu'on les installe pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Malicieux, donc il cherchait le Bigfoot, intéressé. Peut-être qu'il écoute le même podcast. Vas-y, intéressé. Je savais pas que Monsieur H aimait ce genre de truc. Merde, il écoute peut-être le même podcast que toi. C'est son hobby secret, sans doute. Ouais, un hobby de luxe. Bah en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, j'imagine qu'on se sent vite seul au camp une fois que tout le monde est parti. Ouais. Ok, mais pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce, avec une porte secrète dans le placard? Bah... C'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt... caché derrière des trucs. Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec, c'est super ouais, chaud. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Ok, ouais, on verra ça. Ok. Je sors du repère secret. A plus. Hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Je vais quand même regarder les caméras. Je peux pas tourner. Non, je peux pas tourner la tête. Si, un petit peu, vite fait. Il y a une clé là qui est là. Je peux pas la prendre. C'est quoi ça? Waouh! C'était sûrement rien. Ouais, non, c'était rien, bah non. Bien sûr. Ok, attends, on va voir, on va continuer. Ça, c'est quoi? Un tableau. Les plans des chambres et tout. De la forêt, je sais pas. Ouais. Ah, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a là? Ah, et pour diriger, c'est une galère. Des lettres. Qu'est-ce qu'on a? Max, ok. Y a plus rien à voir. Vas-y, je sors de là. 28%. Ah ouais, ok. Attends, il faut que je reste un petit peu plus longtemps pour que les téléphones chargent. Plus longtemps. Tu sais ce que je veux dire? Je pense que c'est ça. Plus on va rester chercher les indices, plus les téléphones vont charger. Et s'il montre ça, c'est que c'est important. Ok. Y a rien ici, donc on va aller là. Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ouais, y a rien de marrant. Ouais, y a rien du tout, mais... Attends, je suis où? Ok. Ça me fait chier, les téléphones, ils sont vraiment pas chargés, quoi. Il n'y a plus rien à voir, en fait. Ça, je peux toujours pas. Non. Bon, bah vas-y, on va continuer. Hein. La trappe, par contre, ça me perturbe. Ah, attends. Il fait un truc de nouveau, là, non? Afficher le texte. Coordination des activités, ok. Kathleen, Emma, atelier de théâtre, assistante premier secours, formation animalière. Ok. Je peux pas faire... Ah si, page suivante. Ok, bon, rien de fou. Bon, je crois qu'on va aller parce qu'on va jamais avancer dans ces cas-là. Mais ça me fait chier pour les téléphones, ils sont pas assez chargés, je pense. Alors, tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré? Fac ou... Rien de sûr. Oh, je vois. Une copine? Pas vraiment. Un copain? Sans attache. Cool, ouais. Pareil.
Les portables, ils sont... Ouais, certainement. Tu veux regarder ? On devrait les laisser une minute ou deux, pour être sûr. Putain, mais tu veux que je fasse quoi en attendant, mec ? Faites chier un peu, hein. C'est à combien de batterie, là ? 28. Chargé. Chargé de quoi ? Allez, non, on va aller à la fête. Hey, ça sert à rien. Ok, cool, on sort. Ça sert à rien, y a plus rien à voir, je pense. Merci. Dommage qu'on n'ait pas la tronçonneuse de Monsieur H. C'est un coin très agréable quand les enfants sont pas là. Ils peuvent être un peu chiants, hein. Ouais. Ils ont l'air attentifs pendant ton cours de peinture. T'as vu mon cours ? Juste en passant. Le cabanon des arts n'est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui passait pas loin. Tu veux qu'on aille où ? Je te laisse choisir. Vas-y, Rocky Road, j'aime bien, ça me plaît bien ce nom-là. Bien vu, le bois est mieux par là. Le bois est mieux ? Ouais, pour faire du feu, un truc du genre. Tu crois que ça suffit ? Pas encore. Allez, vas-y, on peut marcher. Pourquoi tu cours, toi, à moitié ? C'est quoi, ça ? Quartz. Alors, c'était vraiment une carrière, ici ? Ouais. Il paraît que certaines galeries vont hyper loin. C'est une fourmilière, là-dessous. Cool. Ok. Oula, danger. Ah, ils vont me proposer d'aller là-bas ou pas. Là, ça pue. Hein. T'es sûr que ça craint rien ? Quoi ? T'as peur ? Non. Un petit peu. Et toi ? Non. Je vais par où ? On va continuer là-bas. Il y a des bruits chelous, c'est quoi ? C'est un corbeau ? Non mais je vais me prendre un rocher sur la gueule. Le but, ça va être vraiment de faire survivre un peu, mais... Merde. Tout va bien. Oula. Allez, respire. Ouais, tout va bien, mais non, en fait. Non. On est obligé de passer par là, en fait. Putain, j'ai pas pris le bon chemin encore, je suis sûr. C'est souvent, à chaque fois, les jeux comme ça, genre Heavy Rain, Ultim Down et tout, je bute toujours mes héros, quoi. Il n'y a plus un survivant à la fin, à chaque fois, ça me saoule. Ah bah en fait, on fait le tour. Franchement, c'est beau. Hein. Tu te demandes jamais ce qui nous attend ? Genre, après la mort ? Tu plombes l'ambiance ? Non, je voulais dire, notre avenir. Ouais, parfois... Tout le temps. Ça me prend la tête. Je sais ce que c'est. Parfois, je voudrais simplement me laisser aller. Hein ? Genre, il se passera bien ce qui doit se passer. Comme si tout était écrit à l'avance. Le destin. Je n'appellerai pas ça comme ça ou perplexe. Il vaut peut-être mieux ne pas le savoir.
Elle est perplexe. J'en sais rien. Peut-être qu'il vaut mieux pas le savoir. Ouais. Le destin, ça sonne un peu... comme une excuse. Comment ça ? Parce que si tout est écrit d'avance et que tu fais un truc horrible, tu peux sortir une excuse du genre... Ben, c'est pas vraiment ma faute, parce que tout est prédéfini, alors je suis pas responsable de mes actes, en fait. J'avais jamais vraiment vu ça sous cet angle. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème si c'est ce que tu penses. Ouais, non, je comprends. Ouais. Ok. Oh là, je peux pas aller là. On va descendre par là, ok. Ah, c'est dommage que ce soit loin à démarrer. Hein. Franchement, prologue et tout, nickel, ça bouge un peu et tout. Mais là... Après, c'est cool, hein, c'est posé et tout, mais... Ça manque un petit peu de rythme, je trouve. Par ici. Tiens, prends ça. Ok. Cette vue est juste... waouh. Sincère, tu as du talent. Dessine-moi. Vas-y, dessine-moi. Hé, hey, dessine-moi. Oh, pardon, j'essaie juste de capturer ça. Ouais, pardon. C'était débile. Je veux juste finir ça. Prends ton temps. Sûrement rien. Non, écoute, il y a quelque chose. Oh, c'est un sanglier. Oh, regarde. Oh. Il est tout petit. Ah non, 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 tu devrais pas. En général, il y a la mer pas loin. Mon Dieu, il est trop chou. Attends. Sauver Abby. Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Attention, expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. Maintenir pour retenir votre souffle, vas-y. Oh. Oh, l'angoisse. Allez, vas-y, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Je vais relâcher dans pas longtemps, je pense. Ok, c'est bon. C'est bon ? Vache ! Ah, rigole. Un sanglier, ça fait des dégâts. Je suis désolée, désolée. En même temps, elle est conne, la meuf. Oh, le petit sanglier.
euphorique. Imagine l'histoire. Autain, c'est un sanglier, tu crois? Mais non, euphorique, allez, vas-y, euphorique. Elle aura au moins une bonne histoire à raconter à son mari. Comment tu sais que c'était la maman? J'avais un très bon point de vue. Bark! Je crois qu'elle me draguait. Oh, tu t'es trouvé une petite copine? Elle était pas si petite. Je récupère enfin mon portable et je peux rien faire avec. Ah, alors essayez de regarder. Attends. Ah ouais, ok. Tu veux que je fasse quoi là? Je prends une photo d'où? Vas-y, je vais prendre une belle photo, genre comme ça, tu vois. Hé, hey Kathleen, devine quoi? Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Minute quoi? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Oh, tu trouves ça normal, toi? Bah, il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon, quoi de neuf par ici? Est-ce que tout est prêt? Pas de réseau. Ouais, vas-y, je vais dire qu'il n'y a pas de réseau. Toujours pas de réseau. Ah, non. Bon, on se fait chier. C'est bizarre. Si ça se trouve, il y a un satellite qui est tombé du ciel. Ouais, et en s'écrasant dans les bois, il a dérangé le sommeil de la folle de Hackett. Ok. Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. T'es longue à la détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance, la vibe, vous voyez? À propos, c'est pas tout ça, mais... moi, j'ai du boulot. Ok? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Si, c'est possible, mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça, mais on a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux, il s'est sacrifié. Le port de Hackett's Quarry. Sérieuse, vous allez bien? Et vous êtes sûr que tout va bien? Pas de blessure ouverte? Tout va bien. C'était pas un taureau non plus. Mais je crois que Nick s'est trouvé une petite copine. Oh, raconte. Oh, oh. Livraison spéciale. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous foutez avec ce fusil? C'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Enfin, si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Et on vous a préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett's Quarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête! Et ouais, ma poule! Pop, pop, peanut butter, butter pops! Pop, pop, ça fond dans la bouche! Pop! Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, hey, tout doux! On se calme, cow-boy, d'accord? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux! Emma? Le fusil, s'il te plaît. Quoi? Tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile, je veux juste qu'on fasse un petit duel. Non, mec, c'est hors de question, non. Je ne te laisse pas avec une arme. Ou moqueuse, ce n'est pas une bonne idée. Allez, moqueuse, moqueuse. Ok, les gars, même si je kiffe voir Nick se dégonfler devant un défi, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Eh, hey. T'as raison. Ouais. Je devrais peut-être juste donner à Nick les Butter Pops comme un acte de charité, par pitié, quoi.
Bon, t'as gagné. Ouais, génial. Jacob, donne-moi ce fusil. Tu toucheras pas d'arme à feu tant que tu te comporteras comme... Bon bah, tu peux être l'arbitre. Il nous faut un juge impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée sympa. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez, s'il te plaît. D'accord. Ouais. Alors c'est parti pour un duel à l'ancienne. Il y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir. Mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh, oh. On sera sage. Ok, bon, juste pour info, j'ai été tireur d'élite. 3e classe, 3 ans d'affilée, classé meilleur du camp à chaque fois, juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter butter pop. Tu rêves? Tu m'as jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je suis au courant si t'es... Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir... On jouera selon mes propres règles et on discute pas, pigé. Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches. En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Putain, c'est moi ou elle est canon quand elle donne des ordres comme ça? Je suis toujours canon, petite bite. Ouais, ok, merci. Bye, bye. Bon alors, ce petit tête-à-tête avec Abby dans les bois... C'était pas mal. C'était pas mal. Hey, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a un peu flirté. Elle est très brillante. Ouais. Ouais. Mais t'as conclu ou pas? Sois pas dégueu. Non, non, non. Y a pas de souci, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place. À ce propos, laisse-moi te montrer comment un vrai mec tire son coup. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter? Non, je crois qu'il a une commission. Ah. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Nick d'abord, et Jacob ensuite. Ne mettez le doigt sur la détente qu'une fois prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. Deux choses. Pensez au recul... Et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez, évidemment. T'inquiète. Alors. Super, Nick. Propre. Un point, ouais. Je suis chaud. Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Allez, Nick! Ça. On rigole plus! Je vais en avoir besoin, ça c'est un petit dit tacticiel du coup. Allez. Là! Joli tir! Hop! Coup de chance. Ah, c'est ça. Coup de chance, 3 fois d'affilée, mec. Un point pour Nick! Bien joué, Nick. Allez. Il n'y a plus de pastèque. Montre-nous ce que tu vaux. Ok, vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexe. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire, Jacob. Oh, je croyais que t'étais un super tireur d'élite. Ouais, avec un vrai fusil. Hey, mec, fais attention, là. Avec le canon à plomb. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Hé hey. Ok, disqualifié pour avoir joué au con. Quoi, mais non. Amical ou triomphant? Allez, vas-y, triomphant. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Hein? Pop, pop, peanut butter, butter pop. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bam! Qui a dit que c'était fini? La vache. Wow. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Ok,
Nouvelle idée. Petit jeu. Allez, sérieux, ce soir c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensonges, action ou vérité, mais à la Dylan. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action ou vérité, vous choisissez et puis vous faites. Et pas de si, de ou de mais. En fait, action ou vérité. Ouais. Donc genre, on peut demander d'embrasser. Si on choisit action, oui. Du moment que les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais... Bon, et par qui on commence ? Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc... Abigail. Action. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein ? D'accord, on y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un ? Je... Hé, hey, vas-y doucement, mec, tu vas trop loin. Attends, j'ai pas fini. As-tu déjà couché avec quelqu'un dans ce camp ? Non. Désolée. Non. Ok, Abby, c'est à toi. D'accord, alors... Abby, sérieusement, choisis quelqu'un. Ok, je sais pas. Ding, 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 trop tard. À moi. Ryan, action ou vérité ? Vérité. Vérité, j'ai rien à cacher. Ok. On va y aller franco. Vas-y, je t'écoute. Toi et Monsieur Hackett. C'était sûr. Qu'est-ce que vous faisiez dans son bureau ? Honnête, allez. Vérité, faut être honnête. C'est ce que tu veux entendre, mais en fait, bah, c'est rien de passionnant. Mais si tu veux savoir, je lui ai demandé conseil. Conseil, hein ? Wow, Emma, laisse, je m'en occupe. Alors, dans tes paramètres, il y a une option qui s'appelle mode incognito. Et si tu fais ça... Non, conseil d'orientation. Et c'est pas juste, j'ai déjà répondu à ma question. On peut peut-être t'aider ? Je sais pas trop, vous avez déjà vos problèmes à régler. En plus, je crois que si je prononce simplement le mot étude, Jacob va nous faire une crise cardiaque. Oh ! Attends, qu'est-ce que je t'ai fait ? À mon tour, qui je vais choisir ? Jacob et moi, on n'a pas encore joué. C'est vrai. Allez, vas-y, Kathleen. Kathleen, tu veux quoi ? Action ou vérité ? Vérité. Ouais, au revoir. Tu es déjà sortie avec Jacob ou tu voulais faire quoi une fois grande ? Malicieux. Donc, tu connais Jacob depuis longtemps, pas vrai ? Genre, depuis l'enfance. Hélas, oui. Question pourrie, mec. T'as gâché un tour. Et vous avez déjà... fait des trucs cochons ensemble ? En première année, je me suis servi de Jacob pour m'entraîner à rouler des pelles. Mais on n'est jamais allé plus loin, parce que... il embrasse hyper mal. C'était comme embrasser mon frère. Okay. Je t'aime quand même. Ok. À moi. Emma. Action. Emma, tu vas embrasser... Jacob. Ou... Nick. Dans ce cas... Désolé, Nick. Mais c'est même pas vraiment un choix. Forcément, je sais pas c'est si c'est une bonne idée. Ce sera Nick.
La meuf qui fout la merde, c'est la garce. T'aimes embrasser ma copine, connard? C'était juste un jeu. Je suis la copine de personne. Ferme ta gueule avec ton « c'était juste un jeu », mes couilles, ouais. Jacob, grandis. Bon, j'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Bon, quelqu'un veut faire une partie d'échecs? C'est moins risqué, ouais. Les chasseurs. Rebonsoir. Je suis, comme toujours, ravie de vous revoir. Alors, qu'avez-vous trouvé de nouveau? Vous n'avez pas de nouvelles cartes. Mais vous êtes de retour, demandez-vous pourquoi. Je ne peux pas vous aider sans cartes. Vous devez les trouver. Vous devez me les rapporter. C'est dans votre intérêt. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Les secrets demeurent enfouis et la nuit s'assombrit. Je vous reverrai, n'en doutez pas. Méfiez-vous. Là où vont les loups, les corbeaux suivent.